Le romancier Philippe Claudel n'est pas rentré dans le cinéma par effraction, mais par une passion qu'il pratique depuis l'enfance. Son univers de fiction s'est construit sur la contemplation des paysages et leur fréquentation. Pour son 4e long métrage, celui qui fut enseignant travaille à repousser les frontières d'un cinéma qui mélange l'opacité et le scintillement. Un petit quelque chose d'autobiographique. Professeur Claudel. Ah, ça commence bien. Bah oui. Je vous accueille, bonjour, dans une salle de classe, parce qu'il y a des éléments de votre film qui se passent dans une salle de classe. Oui, puis c'est des lieux que j'ai fréquentés quand même un certain nombre d'années dans ma vie. J'ai été quand même longtemps, très longtemps professeur. Je vais vous demander cet exercice de mettre en scène notre interview. Ah. Comment vous la souhaitez? Je préfère qu'on se mette, comme c'était souvent le cas d'ailleurs quand j'étais avec des élèves, à côté d'eux. On se sent un peu plus proche et on casse un peu une barrière qui parfois gêne dans l'apprentissage ou la pédagogie. Dans votre film, la caméra est souvent à l'épaule, on va y revenir. Est-ce que vous voulez des caméras sur pied ou des caméras qui vivent? Non, c'est bien comme ça. Moi, j'aime bien. Alors, ça dépend évidemment des sujets qu'on est en train de traiter. Et là, comme on a une conversation proche, sympathique et chaleureuse et humaine, je trouve que c'est bien justement d'avoir des caméras qui sont portées, avec des cadreurs qui vont pouvoir venir près de nous et nous accompagner dans nos mots. Le dispositif est en place. Allons-y. C'est parti. Philippe Claudel, filmer c'est montrer, montrer c'est choisir. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous montrer dans Une enfance? Je suis content que vous commenciez par ça parce que j'ai tendance à dire que filmer c'est cadrer justement. C'est effectivement montrer, c'est choisir, donc c'est cadrer. Et dans ce film, il était important pour moi d'observer une enfance et de prélever donc dans ce portrait d'enfant confronté à des forces presque mécaniques qui le bousculent dans cet âge où on a tendance à, comment dirais-je, à vouloir rêver, à vouloir être heureux. Et toi, Jimmy, ce serait quoi ton rêve? Je sais pas. Je serais gêné. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? T'es un connard, tu me fais pas peur. J'avais envie donc de cadrer à la fois l'humain et aussi le milieu dans lequel il évolue, milieu social et milieu paysager. Un mélange d'architecture industrielle et de campagne. Et j'avais envie aussi de montrer combien des paysages a priori relativement laids peuvent receler de beauté. En 2001, vous commencez une collaboration avec Evangelo. C'est Sur le bout des doigts et Les âmes grises. Et Evangelo nous disait ça, il disait qu'un film, c'est un jeu ambivalent entre le personnage et le spectateur que la caméra doit interpréter parce que la caméra est un acteur. Est-ce que c'est une direction que vous avez pu suivre? Ce qui m'importe, c'est que la caméra, paradoxalement, s'efface. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'elle soit acteur, j'ai envie qu'elle trouve une place qui est une sorte de trou noir d'antimatière, mais dans lequel, ce trou noir, tout va pouvoir être capté. Parce que ce qui m'importe, si vous voulez, au final, quand le spectateur voit le film, c'est qu'il oublie la caméra complètement. Tu l'as pris où, le tampon? Je t'ai posé une question, Jimmy. Tu l'as pris où? Je t'entends pas. Puisque nous sommes là pour apprendre à lire l'image, pourquoi faire cette scène avec une caméra sur pied, puisque votre caméra est plutôt libre? C'est presque une scène de garde à vue. C'est-à-dire qu'on a un instituteur juge ou policier qui interroge un enfant prévenu. Il s'agit d'un tampon qu'il a volé. Le maître vient de le découvrir, puisqu'il a essayé de découler des faux billets de tombola. Bon, le larcin n'est pas très très grave. Mais on voit que cet instituteur, joué par Patrick d'Assumpção, veut marquer le coup et veut que cette confrontation soit grave, soit sérieuse, de façon à ce que l'enfant comprenne qu'il ne faut pas faire ça. D'où ce choix d'une stabilité avec un cadre qui ne bouge pas, qui ne laisse donc aucune possibilité d'aération, qui enferme vraiment l'enfant dans son dispositif et qui donne aussi au maître, par cette espèce de martialité, par cette espèce
de gravité stable la puissance pour que la parole porte. Évidemment, là aussi, le chant contre chant me paraissait quelque chose d'à la fois de simple et de symbolique sur cette opposition. On voit que vos deux plans ont une structure presque identique. Une porte derrière chaque comédien et ce rideau qui les unifie. Chaque élément porte sens et évidemment, je fais attention à ce qui compose, à ce qui rentre dans le cadre. Et effectivement, on a cette salle un peu étrange où le bureau est à cet endroit-là et où on a deux portes qui sont closes. On a ce rideau fermé où on s'endort un jour très lumineux, comme on le voit sur l'image, hein, mais qui est empêché d'entrer. Et on est dans une atmosphère donc oppressante où, pour l'instant en tout cas, à ce moment de la scène, aucune échappée n'est possible. Rien n'entre dans la pièce et rien n'en sort. Ni lumière, ni son, ni personnage. Et l'enfant est donc confronté à un univers clos qui est presque carcéral, qui est presque sans espoir, où il ne peut être là qu'à écouter la leçon du maître. T'as l'avoir lu combien de faux tickets ? Pas beaucoup. C'est-à-dire ? 4-5. Tu iras rendre l'argent en personne, tu m'entends ? Il y a autre chose aussi, c'est que on avait des valeurs de plan égales où on voyait les deux personnages qui étaient, j'allais dire, physiquement identiques. Hein, alors que quand on passe sur ce plan-là, l'enfant est certes de dos, mais prend beaucoup plus d'importance par rapport à l'instituteur qui, par le choix de la focale, devient plus petit. Fais attention, je veux pas que tu tournes mal. Qu'est-ce qui motive votre caméra à redevenir mobile et à suivre Jimmy ? Cet enfant ne peut pas rester en place très longtemps. Il est trop agité de forces contraires en lui, d'énergie qui peuvent aller encore dans tous les sens, bonnes ou mauvaises. Donc à un moment, la caméra se revivifie, reprend une nature autonome. C'est comme un cheval fou qui repart, quoi. Donc il se lève et forcément la caméra, là, devient un peu plus organique. J'avais opté avec mon chef opérateur, qui était aussi le cadreur, Denis Lenoir, pour un système qui s'appelle l'Easy Rig, où le cadreur, en fait, une sorte de gilet sur lequel est attachée et vissée une armature, une forme d'arceau, qui suspend la caméra à un fil et donc qui permet d'avoir une caméra épaule relativement mobile, mais suspendue et soutenue quand même pour éviter des trop grands décalages. Il y a un rituel, il y a une dernière question. Cette question, forcément, je voudrais qu'on prolonge ce moment de sincérité et je voulais savoir si vous vouliez casser quelque chose au dispositif. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, moi, c'est les miroirs, pour des raisons fantastiques. Et, je ne sais pas comment on pourrait s'en accommoder, mais vous voyez cet angle de la salle là, où il y a la réunion des deux miroirs. Mais c'est vrai que ce carrefour là-bas, on a l'impression d'être à la croisée de quelque chose. Pourquoi filmez-vous ? Le cinéma me permet de devenir le scientifique que je n'ai pas été. J'ai toujours considéré qu'il y avait une démarche extrêmement scientifique dans le fait de filmer. Et je me suis toujours considéré comme un petit technicien de laboratoire à mettre des coupes entre deux lamelles, vous voyez, et à les regarder dans le microscope. Il me semble que le cinéma, c'est ça. On a parlé de géographie, on a parlé de cadre, on a parlé de révélation. Et il y a cette observation du vivant de façon grossie. Et c'est une observation qui est bien sûr faite dans le but de la proposition. C'est-à-dire qu'on n'observe pas pour soi-même, on observe pour rendre et pour révéler, pour proposer. Et cette découverte qu'on fait dans l'œil du microscope entre deux lamelles, on la transcrit, hein, de façon majeure sur un écran démesuré.